Donnons-nous toutes les chances de changer. 2012, ça doit être le rendez-vous démocratique du changement. On n'en peut plus de la politique de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy laissera la France en plus mauvais état qu'il ne l'a trouvé. Donc il faut changer, mais se donner les moyens de changer. La tâche sera difficile. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer politiquement, psychologiquement, moralement. Et il faut aussi se préparer à exercer la fonction de président de la République pour mettre en œuvre un projet, mais aussi faire adhérer les Français à ce projet. François Hollande s'est préparé depuis longtemps. Je crois que c'est celui qui est le mieux à même de gagner cette élection présidentielle, mais aussi de diriger le pays, de le remettre en mouvement, de lui redonner confiance, de lui redonner de l'espoir. La première étape des primaires, elle est, je crois, une chance à saisir. Chaque citoyenne et citoyen qui le souhaite peut venir dimanche. Nous devons nous donner le maximum de chances. Il faut faire le meilleur choix possible. Un choix qui soit net pour donner à notre candidat, celui que je soutiens, François Hollande, le maximum de force, d'énergie, pour ensuite entraîner une majorité de Français pour gagner cette élection présidentielle. François Hollande, c'est ma conviction, est le président qu'il faut pour la France. En venant nombreux et en votant nombreux aussi pour lui, vous lui donnerez beaucoup plus de force pour qu'ensuite la bataille non pas soit terminée, mais qu'elle soit plus facile et qu'elle nous permette de gagner pour la France.